Bon, voilà. Je me revois là. Coucou tout le monde. Il n'y a personne, j'en ai rien à foutre. Zéro personne, j'en ai rien à foutre. Bah, du coup, c'est pas mon second live. Alors, alors, pour ceux qui ont vu le premier avec le son dégueulasse, bah là, normalement, ça devrait quand même carrément être mieux. J'espère juste que le son de la musique, la musique n'est pas trop forte derrière. Bon, c'est pas grave, on verra. Puis sinon, voilà, je vais juste vérifier ça. Si c'est pas normal, je fais des tests de connexion aussi, ça devrait aller. Franchement, s'il y a normal, ça devrait aller. Je teste encore. Teste encore. Ouais, normalement c'est bon. Ouais, donc voilà, donc on se retrouve pour une seconde vidéo, enfin un second stream, qui est cette fois sur encore un jeu rétro. Au début, là pendant 2-3 streams, je ferai que des jeux rétro pour le moment. C'est juste pour me roder un peu. Puis je suis un peu en confiance, c'est un peu des jeux doudous, donc du coup, là. Et bon, normalement, là, ça devrait être mieux, le son n'est pas trop dégueulasse, j'espère. Non, ça. Et voilà, du coup, bon, bah, ça permettra de faire un jeu. Puis cette fois, un jeu que je connais mieux, donc que Toki, c'était sympa, mais ça me saoulait de mourir en boucle à la fin, quand même. Bon, normalement, là, le live est stable, j'ai fait plein de tests ce week-end. Franchement, j'espère que ça se passera bien. Du coup, voilà. Bon, j'attends encore un petit peu. J'hésite à manger des bonbons parce que ça va faire plein de bruit. Le problème, c'est que le micro, il est mieux, mais enfin, le son est mieux. Mais ça fait pas mal de patates de bruit, même si j'ai fait des réglages. J'ai pas envie de faire comme les gens au cinéma qui font plein de bruit pendant que le film. Voilà, là, j'ai pas envie de faire un gros bruit de sachet dégueulasse qui sera super aigu pour les oreilles, pour ceux qui écoutent avec des écouteurs ou je ne sais quoi. Bon, normalement, le son est bon, là, je vois que ça va, donc c'est cool. Juste me chercher peut-être à boire. Enfin, je reviens, chercher à boire. Soif. De toute façon, on dit qu'on se... je viens de dire qu'on se retrouve avec un jeu rétro, mais de toute façon, Twitch, c'est écrit en gros sur le... Sur Twitch, c'est écrit en gros ce que c'est, de toute façon. Mais... C'est comme ceux qui font une vidéo YouTube et qui disaient oui alors on se retrouve pour faire telle vidéo sur quoi bah c'est écrit dans la description. Bon allez, j'espère que je ferai pas trop de bruit de gorge parce que j'ai plein de trucs relous là, j'espère que ça va aller. On va attendre un petit peu puis pour voir bien que tout ça marche bien. Ouais, donc du coup pour un autre jeu rétro, ouais, comme j'ai dit, bah là peut-être que j'ai peut-être vraiment présenté avec un son moins dégueulasse, du coup je m'appelle Mogi, je fais des choses, je joue beaucoup de jeux vidéo, beaucoup trop selon certaines personnes qui ne jouent pas en général. Oui, parce que souvent les gens, quand tu leur dis, ce que j'avais dit à ma mère il n'y a pas longtemps, c'est vrai que des fois on joue longtemps aux jeux vidéo, parce qu'en fait on parle, je sais plus quoi. Et j'avais raconté comme anecdote, je sais plus pourquoi on parlait de ça, et j'avais dit que ouais, mais c'est vrai que. Parfois, quand on joue à certains jeux, bah, ça peut prendre quand même des heures, tu vois. Et je lui ai dit que, par exemple, dernièrement, j'ai fait un jeu qui s'appelle Death Stranding. J'expliquais, ouais, j'ai déjà plus de 50 heures dessus. Et ma mère au téléphone, elle a fait, oh, c'est quand même beaucoup. Dit, bah ouais, mais pas tant que ça. Enfin, si, c'est beaucoup, c'est un certain. Mais c'est 50 heures étalées, quoi. Sur, en tout cas, enfin, comme j'ai plus forcément le temps de jouer de manière intense qu'avant, bah, du coup, ouais, c'est 50 heures, mais étalées sur. Sur un mois, tu vois, c'est pas si long que ça. Comme je vous expliquais que y a des gens qui lisent des livres, ça dure longtemps aussi. Enfin, ça peut, enfin, selon le ressort du livre, ça peut faire quelques, enfin, ça peut aller quelques heures à plusieurs dizaines d'heures selon
le livre ou les voilà. Enfin, bref, et du coup, voilà, je m'appelle Mogi, et je vais m'éparpiller souvent comme ça. Du coup, voilà, du coup, je m'appelle Mogi, du coup, bah là, je me lance en stream pour rigoler principalement. Ça faisait longtemps que je voulais le faire, hein, mais je m'étais dit, bon, est-ce que je vais le faire? Et je me dis, bon, ouais, allez. J'étais moyennement chaud, je me suis dit, ouais, mais bon, il y a plein de gens qui font déjà ça de manière cool. Je vois que, ouais, il y a plein de gens, même que je connais, qui font ça, même comme ça, pour rigoler. Je dis, allez, ça peut être marrant, ça me. On va dire, je retrouverai quelques sensations d'antan quand je faisais des vidéos à l'époque, en 2006 jusqu'à 2010. Donc voilà, je m'appelle Mogi. Jeux vidéo. Par le passé, j'ai fait des vidéos il y a très longtemps. Et depuis quelques années, je suis aussi développeur, donc je fais alors, plus en amateur là pour le coup. Enfin, du moins sur mon temps libre, donc je développe des petits jeux vidéo comme ça. D'ailleurs, je ferai peut-être des streams là-dessus, hein, sur mes propres jeux sur des trucs comme ça peut être intéressant. Et du coup, j'avais décidé de faire ça, donc ça peut être rigolo. Donc l'autre fois, j'avais fait un stream sur Toki, c'est un jeu que j'aimais sans plus. Du coup, voilà, j'essaie de. Et là, on va faire un jeu un peu plus cool, c'est Revenge of Shinobi, qui est quand même carrément plus sympa que Toki, enfin, je trouve. Du coup, je vais le lancer. Du coup, on va. Puis les gens me suivront, ils verront. Ah ouais, puis parce que l'heure tourne, hein, le problème c'est que j'ai jamais le temps de faire trop longtemps. Du coup, voilà, on va basculer sur le jeu de base. Ce jeu de base. Hop là. Ça dégage. Ouais, c'est Shinobi. Alors, ce qui est cool, c'est que. Comment? Pire. Voilà. Non, c'est bon, tout est nickel, ouais. Alors, ce jeu-là, j'aime bien, parce que c'était un jeu que j'ai eu vraiment pour de vrai à l'époque sur Mega Drive. C'est un des premiers jeux de Mega Drive, d'ailleurs. Bon, je reparlerai tout au long de ma partie. Dégagez ça, parce que ça me saoule. J'ai tout mis, sinon, ouais. J'ai tout mis. Bon, allez, on va jouer. Bon, ça, on s'en fout de l'histoire. Ça dit, je dis ça, mais c'est pas. Enfin, moi, je trouve ça un peu cool à l'époque comme histoire. Alors, ça restait toujours dans les livres. Alors là, je vais faire un truc. Pour ceux qui connaissent le jeu, bon, je mets toujours. Bon, je mets en normal, hein. Mais, vous savez, c'est un jeu où on a des shurikens, on a des munitions limitées, on va dire, et on en récupère tout au long du jeu. Il y avait une astuce qui permettait d'avoir des shurikens infinis. Il fallait mettre les shurikens sur zéro, comme ça. Et en fait, il fallait attendre après. Je mets ça comme ça, hop. Fallait attendre quelques secondes et à un moment il va y avoir un petit son. Oh! Un petit son et le 0, le double 0 se transforme en signe infini. Et ça permet d'avoir des shurikens infinis. C'est plus par commodité, parce que c'est un jeu bon, assez largement faisable sans cette astuce-là, mais c'est plus rigolo. Moi je sais, j'aimais bien spammer le bouton des shurikens. Parce que c'est quand même un jeu qui est pas évident non plus, hein. Oh, coucou! Coucou Gaga! Ah, je peux te voir! Ah! Du coup, est-ce que tu confirmes que ça va? C'est qu'il n'y a pas de décalage. Genre, là, je te réponds et tu me vois. Enfin, tu me. Ça va, Gaga? Ah, ça va. Ah, j'ai fait plein de tests hein, ce week-end. Oh, je te réponds, c'est fou! Oh là là! Parce que, genre, je répondais en méga décalé. Je sais même pas pourquoi, hein, parce que là j'ai refait avec les mêmes conditions. Enfin, non, je pense que j'ai dû régler des trucs, mais. Mais voilà quoi. Du coup, c'est cool. Tu sais, j'ai joué à Revenge of Shinobi. C'était le troisième jeu que j'ai sur Mega Drive. Ouais, alors ce qui est rigolo, c'est que je me souviens de mes six premiers jeux. Tu vois, je suis capable de dire, ah, le premier jeu c'était ça. Mais après le sixième, je m'en souviens plus. Enfin, j'en ai eu plein d'autres, mais je m'en souviens plus de l'ordre. Du coup, on va jouer un petit peu. Ah ouais, et cette intro-là, là, c'était le feu. On se dit, oh, trop bien! C'est une vraie animation. Et ouais, même que le. Ouais, ils n'avaient pas vraiment les droits. T'as jamais eu de Mega Drive? Ah bah moi je l'avais eu, j'étais heureux, hein, parce que je suis passé de l'Amstrad CPC. Donc ça c'est le micro-ordinateur 8 bits. Il n'était pas très beau en plus, hein, les graphismes pas très beaux. Ah ça. Du coup c'était incroyable. Oh! C'est des dessins animés qui bougent. C'était incroyable. Ouais, cette animation-là d'ailleurs, à l'époque, parce que le personnage là qui est un peu. Grimmon Ninja, il ressemblait à un acteur connu à l'époque au Japon, je sais plus comment il s'appelle, qui jouait dans une série japonaise et
Ils ont pas vraiment demandé l'autorisation. Après, c'est pas vraiment, mais c'est juste qu'ils sont forcément inspirés de ces traits. Ah, je sais plus comment ils s'appellent. Bref. Bon, je vais lancer le jeu. Parce que là, on voit 15 000 fois l'intro, c'est chiant. Bon, le mode option a toujours marché. Ouais, j'ai toujours le truc infini. On va y aller. Allez, start. En plus, ça tombe bien parce que je fais le stream sur ce jeu, alors que ça fait un petit temps que je voulais le refaire comme ça. Mais tu dis, bah, hé, hey, une paire de coups, comme ça j'y joue et je fais le stream en même temps. Alors, faut que je me souvienne des contrôles, ouais. Ouais, et ce jeu-là, c'était le troisième jeu que j'avais vu, j'étais content de l'avoir. En fait, je l'avais lu dans un Mega Force, comme plein de jeux, j'avais demandé à mes parents, je me demandais bien voir ça. Et c'est encore le début, comme j'avais vu la console très récemment, ils étaient encore un peu chauds, tu vois, ils étaient bon, ouais. Allez, on va aller acheter son jeu. Une nouvelle console. Eh bien, allez, amuse-toi. Bah du coup, c'est Revenge of Shinobi, c'est le deuxième Shinobi. Il est sorti du coup en 89, je crois. Alors bah, moi, forcément, je l'ai en 90 parce que nous, en Europe, on était en décalé. T'as vu? La chance, et oui! J'étais très heureux. D'ailleurs, c'est toujours resté un de mes jeux préférés sur Mega Drive. Ouais. Ah, il était beau, hein. Ce qui était fou, c'est que on passait ouais, quand même de console 8 bits, tu vois, même la NES, les micro-ordinateurs 8 bits, tout ça, à genre de ça. Mais oui, j'ai un joli cadeau. Ouais, et puis c'était des trucs où tu sais, où j'essayais tout demander, tu sais, je voyais le jeu dans le magazine et je me disais genre, oh, j'aimerais bien l'avoir. Salut Furk! Coucou! Eh, c'est écrit en violet en plus. Enfin, je veux dire, tous les trucs du chat sont écrits en violet. Voilà, c'était le destin. Oh, quelqu'un s'est abonné à moi, mais je peux pas voir parce que j'ai l'écran du jeu. C'est pas grave. Pam, 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 pam. Ouais, du coup, j'ai mis les trucs infinis parce que je m'en tape. Hein. Alors, ça permet de reprendre un peu le jeu parce que. En plus, c'est rigolo parce que ça fait des années que j'ai pas joué à ce truc-là. Hein, vraiment. Je sais n'importe quoi. Mais c'est bon de voir qu'il y a quand même quelques réflexes qui reviennent quand même. Ou alors l'emplacement de certains items aussi où tu te dis, ah c'est toi l'abonnement, merci, c'est gentil. Merci pour le sub. Merci pour les dons. Il y avait la lune. Oh, à l'époque je me disais, oh trop beau. Trop belle la lune. Après ce qui était. Ouais, ce qui était incroyable, c'est que. Non, non, je sais. T'es pas un sub. Ah mais si vous me donnez des sous, moi je veux bien. Attends. Ouais, mais. Ah oui, il y avait un truc secret. Merde, j'ai oublié. Parce que vous voyez en dessous, on voit qu'il y a une zone. Et on peut y aller d'ailleurs. Hein. Je suis pas encore affilié, merde. Ouais, oui, c'est vrai que. Oui, j'ai vu qu'il y avait plein de succès à débloquer. Ah là là. Ce truc de droite quand même. Mais bientôt tu seras une star du Twitch. Eh ouais. Bah oui, avec mes trois spectateurs. Coucou les trois spectateurs. Ah oui, bah oui, voilà, il fallait la gauche. Bah, en fait, t'es obligé en fait. Il me semblait que c'était un secret quand on allait en bas. Alors c'est un jeu incroyable. En fait, ici, je vois tout le temps étant petit. N'empêche que là, je suis un peu nul parce que quand j'étais petit, bah là, je perdais aucune vie. Maintenant, je suis vieux. Oh, je connaissais par cœur. Ouais, du coup, ce qui est incroyable dans ce jeu, c'est que. Il faut justement une moyenne au-dessus de 3 spé. Ah ouais. Ah ouais, bon bah. Merde, je vais mourir. Oh, il y a Kago qui me lance un raid. Coucou! Oh! Rose Azerty. Hey, Rose Azerty, c'est. Rose Azerty. C'est pas toi qui fais les musiques de Puppy Cross? Hey, coucou Kago! Il y a 11 personnes d'un coup, incroyable! En train de jouer à je vais dire à Castle Fury. Oh, non, je vais mourir là. Oh, non, le premier niveau, je ne veux pas mourir. Je vous en supplie. Merde. Non, j'ai pas envie de mourir au premier niveau. Non, mais si, parce qu'il n'y a pas longtemps, j'avais vu le stream de Kat. Enfin, le kit. Ah, merde. Et du coup, je connaissais le jeu, de Puppy Cross, et j'ai pu bien entendre la musique, du coup, parce que moi, je ne l'ai pas encore. Du coup, voilà. Du coup, les musiques, ouais, bah elles étaient cool, les musiques, mais justement, je m'étais dit, c'est marrant, et il y avait des sonorités, enfin, il y avait quelques sonorités qui me faisaient un peu penser à des musiques entre l'Amiga et la Mega Drive, justement, et je trouve ça trop cool. Ouais, il y a Gaga, vous connaissez? Oh, tout le monde se connaît, c'est incroyable. C'est comme si les gens, ils venaient à ma table, ils disaient, ah, bah, vous connaissez? Puis moi, j'étais en train de jouer, regardez-moi! Alors, attends.
Et ouais, du coup, c'était l'époque vraiment. Ce jeu-là, il sortait, je crois que c'est en 89. Oh, merci pour le suivi. Ouais, et c'est que mon deuxième stream, hein, donc il faut être indulgent. Hein. Amiga Drive, un nouveau crossover. Ce serait cool, c'est deux machines cool. Ouais, et puis du coup, ouais, donc je disais. Oh, des gens qui me suivent, c'est trop beau. Les sorties, ouais, du coup, il sort en 89, et je crois que c'est le réalisateur du jeu, comment il s'appelle? Noriyoshi Oba, c'est le réalisateur de Resident Evil Shinobi, qui bah, comme il voulait tester le nouveau matériel de la Mega Drive, du coup, pour ça, ils sont amusés en fait. Merde, je suis mort, c'est trop énorme. Et du coup, ils sont amusés en fait à vraiment booster les capacités du défilement en parallaxe, du coup, de la Mega Drive. Donc, du coup, il y a différents plans. Il y a même certains niveaux, il y a genre 3-4 plans, ce qui était complètement incroyable à l'époque. Ah, les trucs de follow? Si, si, bah si, c'est des. Moi, j'étais regardé sur l'internet. Et. Ah putain, un peu au début, c'était l'enfer hein, quand je voulais me lancer. Je me suis dit, putain, en fait, je me sentais tellement comme un boomer. Un boomer qui découvre. Enfin. C'est qui découvre vraiment l'ordinateur, tu vois. J'étais là en mode, hein? Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut appuyer quoi? Oh, mais non, je vais pas fermer la fenêtre. Il fait si beau dehors. Attends. J'évite de mourir quand même, parce que ça me fait chier, tu vois. C'est l'histoire des filements. Oui. Oh, oh! Attends. Et ouais, et du coup, voilà. Et Oba, du coup, le réalisateur du jeu, c'était vraiment leur défi. En plus du fait qu'ils voulaient insister sur le côté plateforme du jeu. Quand t'avais ça dans le premier Shinobi, hein. Mais là c'était un peu nouveau pour eux, parce que là il fallait qu'ils raisonnent pas de manière comme un jeu d'arcade, où en général on meurt en un coup. Là t'avais vraiment le délire avec la barre de vie en haut, fallait réfléchir à un game design différent. Donc du coup ils ont pas mal joué sur le côté plateforme, enfin renforcer le côté plateforme du coup de Shinobi. D'ailleurs ils sont amusés à instaurer c'est ce qu'ils appellent le saut périlleux. Pour faire les doubles sauts, mais on pouvait aussi. Ce qui était ouf, c'est qu'à certains niveaux, je crois que c'est le niveau 3 dans le camp militaire là, et je sais plus quel monde. Ils sont amusés en fait à offrir une nouvelle dimension au jeu, enfin au jeu de plateforme, on va dire. C'est que bon, il y avait à la fois, il fallait jouer, enfin le joueur devait jouer à la fois avec le côté défilement latéral, donc à gauche-droite, sur la hauteur, mais il fallait aussi gérer. Dans certains niveaux, une autre dimension qui était du coup la profondeur, parce qu'il y a des niveaux en fait on zigzague entre deux plans. Et ça c'était quand même assez ouf. Enfin, heureusement qu'ils n'ont pas fait tout ça pour tous les niveaux, parce que ça m'aurait fait chier. Parce qu'en fait, du coup, quand tu fais un double saut, du coup, enfin quand ton personnage fait un double saut, quand le héros Jo Musashi fait du coup un double saut, du coup il passe d'un plan à l'autre. Après, quand tu refais un double saut, du coup il repasse d'un autre plan. Cette fois, je vais essayer. Merde! Merde! Ah, du coup, il y a eu Corentin qui est passé, Gaga, du coup. C'était mon plus beau stream. Attends, du coup, il faut que je prenne Hey, il y a Sundars! Coucou! Ah, il faut que je remonte, parce que du coup, pour moi, c'est encore nouveau, j'ai pas le réflexe de. En gros, tu as fait les chances web. Dans... Ah, tu vois. Coucou, Pixel! Je suis comme des gens. Coucou, chouette, Lulotte! Il y a plein de gens, mon dieu. On dit coucou les nouveaux! Merde, j'ai fait des bêtises. J'étais en train de lire le chat. Et puis j'ai pas cette vie, donc ça a fait. Après ça, je m'y attendais, je me suis dit. Je sais très bien que faire des streams, c'est pas du tout le même exercice que faire des vidéos. Tout ça, donc. Ou que d'écrire, ou je ne sais pas. Et à chaque fois, je me dis toujours, mais ils font comment les gens pour lire en même temps? C'est pour ça que des fois ils sacrifient leur partie entre guillemets, qu'ils jouent pas forcément bien toujours, mais c'est compréhensible. Enfin, moi je veux dire, en plus, alors là c'est un jeu que je connais. Alors ça, je l'aimais bien ce boss. Que la première fois que je l'avais fait, j'avais galéré, je comprenais rien. Je me disais, mais j'arrête pas de mourir, il a une épée trop grande. Voilà, faut dire que là je me fous un peu parce que comme j'ai mis les vies infinies, enfin les. Non, pas les vies infinies, mais les shurikens infinis. Bon, ça dit, même sans, hein, c'est un jeu où. Ça va, même quand distille quand même, le jeu distille quand même pas mal de vie quand même. Bon, sinon, ça va au niveau du son? Enfin, je veux dire, le son du jeu est pas trop fort.
C'est pas abusé le son du jeu. Hein? J'espère qu'il n'y a pas de décalage. Allô? Maintenant je flippe. Non, le son est top, ça va. Non, parce que comme l'autre jour, il y avait un problème de connexion, je sais pas pourquoi. Hein, et du coup, je répondais aux gens, enfin, je voyais les réponses des gens 3-4 minutes en retard. Ah ouais, là, c'est mieux. Et même le son, genre, il est mieux. Hein, j'ai un autre micro. Enfin, c'est pas un micro en fait, c'est un micro, mais. Parce que l'autre jour, c'était un peu dégueulasse, c'était le son de l'ordinateur, qui était pas complètement catastrophique, mais c'était pas ouf, quoi. Bon, là, je pense pas que ce soit ouf non plus. Il y a des QTE surprises. Ah oui, à ce niveau-là, il est horrible. Et ouais, et du coup, il y avait des compétences. En haut, on pouvait faire exploser le personnage, ce qui fait que bah, ça faisait plein de dégâts, mais que bah, du coup, on perdait une vie. Mais par contre, ça redonnait un super pouvoir. Là, c'est le pouvoir d'invisibilité. Ça, c'est la colonne de feu qui permet de détruire les ennemis à l'écran. Et ça, c'est le truc pour sauter haut. C'est mon truc préféré. On va faire ça. Ça permet de faire des bonds super flottants. Parce que ce niveau-là, il était dur. Ouais, il y avait des niveaux super durs dans le jeu-là. Notamment, je me rappelle du monde 7, les quais qui étaient horribles. D'ailleurs, même le réalisateur, Ah bon, du coup, tu peux jouer à Shinobi, Kago. Viens, deviens ninja comme moi. On est bien, on se cache. Et ouais, et du coup, le personnage, du coup. Qu'est-ce que je voulais dire? Comme dans la vraie vie, je sais pas ce que. Ouais, le niveau 7 était horrible. Enfin, je veux dire, le niveau sur les quais. Parce qu'il y avait des sauts, il fallait faire des sauts longs, enfin, il fallait vraiment être au bord et négocier certains sauts au millimètre, c'était horrible. J'ai aussi celui sur Saturne en photo. Ah ouais, je l'ai pas fait celui-là. Ouais, ah, la musique, ouais, rose. Eh, mais c'était ouf les musiques. Bah, c'est la première collaboration avec Yuzo Koshiro, avec Sega du coup. Et c'est tout simplement la même équipe, c'était la Team Shinobi. Qui faisait ce jeu-là, et un an plus tard, ils ont fait Street of Rage. Et ça se voit, parce que déjà, bah, musicalement, ça se voit. Et même au niveau de l'interface, il y a des choses qui ressemblent fortement à Street of Rage, c'est pas fou. Et même, car encore plus, Yuji Koshiro a même réutilisé certains sons, enfin, tu sais, des petits bruitages qu'on retrouvera du coup dans Street of Rage. J'aimais bien ce niveau-là. Ouais, du coup, je disais qu'il y a dans le monde 7, là, le niveau des quais, je sais pas si j'arriverai jusque-là, au pire, je terminerai cet après-midi, mais le niveau des quais, il était quand même super tendu. Enfin, c'est l'avant-dernier monde, en fait. Et il y avait des sauts hyper galères à faire. Enfin, il fallait à la fois bien faire le double saut au bon moment, il fallait être vraiment au bord. Et je sais que même à l'époque, hein, je sais que c'est Oba qui a fait une interview ici, il y a une quinzaine d'années, hein, je crois, qu'il avait dit qu'il avait eu plein de retours de joueurs. Expliquer que c'était super chaud quand même niveau quand même. Et moi j'ai une anecdote, c'est que ma grande soeur, enfin ma plus grande soeur, oh la merde, j'ai loupé un truc. Si, il y avait un truc en haut normalement, il y a un truc secret là, enfin, il y a genre un item. Ah merde, bah pourquoi je n'arrive pas à l'avoir? Ah, c'est là. Ouais, et du coup ma soeur a joué à ce jeu-là, puis moi bah j'aimais bien la regarder jouer. Merde, elle a disparu. Et j'aimais bien la regarder jouer. Et du coup, une fois, bah, elle était à ce niveau-là, au niveau 7, là. Et j'arrivais dans la chambre, elle était tellement vénère parce qu'elle n'arrivait pas à faire le niveau. Tu sais qu'elle a balancé la manette sur. J'ai vu la manette voler. Du coup, j'étais dans le couloir, j'ai fait OK, je vais pas venir tout de suite. Ah, mais je crois que ça l'avait vraiment vénère. Mais ouais, merde. Ah, zut. Non. Alors là, je joue n'importe comment, là. Or, ce boss-là, je le tuais en 2 secondes. Ah, mais je suis vieux, hein, maintenant. J'ai besoin de jouer à des jeux plus calmes, moi, maintenant. Ah, mais ça. Épilepsie, ouais. Ouais, et... Mais c'était super beau, hein, c'était tellement bizarre, n'empêche, hein, comme jeu, rétrospectivement, parce que c'est un shinobi, tout. C'est un jeu japonais. Ah, voilà, un des premiers niveaux où on joue avec avec la profondeur de champ. Hop. Et là, je suis de l'autre côté. Il fallait parfois jongler, du coup, entre le premier plan et le second plan. Et c'était très cool. Là, parfois, il faut faire gaffe, du coup, il faut faire attention à pas confondre les ennemis. D'ailleurs, là, bah, il y a un mec qui crame là. Qui est d'ailleurs dans une des premières versions, ce mec-là, là, qui crame tout, c'était un mec qui ressemblait à Rambo. D'ailleurs, il y a plusieurs versions du jeu. Merde, je suis mort. Je crois qu'il y a eu 4 ou 5 versions du jeu de Revenge of Shinobi. Parce qu'en fait, dans le.
dans la conception. Parce qu'en fait, il y a des boss ou des ennemis qui ressemblaient à des trucs connus de la pop culture. Il y avait Rambo, il y avait un boss qui ressemblait à Terminator. T'avais le Godzilla dans le monde 7. À la base, c'était pas prévu. Ils sont pas dit, tiens, on va mettre des gens connus. Je crois que c'est juste le réalisateur du jeu, là, Oba, qui a dit. Ah, c'est qui a demandé au concepteur des dessins, des sprites, de faire des monstres qui ressemblaient plus ou moins à ça. Donc, du coup, il a montré un exemple qui ressemblait forcément à des trucs qu'il connaissait. Et le mec, il a à peine retouché. Pareil ici, il a à peine retouché les exemples du coup du réalisateur. Du coup, ça fait un jeu chelou où dedans on affronte un Terminator, un Godzilla et il y a Rambo et on affrontait aussi un Spider-Man et un Batman. Il y a eu plusieurs, et du coup, ces gars se sont prémunis, se sont dit waouh, on va faire gaffe. Du coup, ils ont fait plusieurs versions du jeu ultérieurement. Alors, Spider-Man, ça allait parce qu'ils avaient les droits à l'époque. Qui avait sorti le Spider-Man, je sais plus le nom là, que j'avais d'ailleurs. Spider-Man contre Kingpin là. Ah merde! Je vais mourir! Oh putain, je meurs plein de fois! Ouais, et il y avait une histoire, parce que c'est un jeu. Contrairement au premier Shinobi, c'est que là, il y avait quand même une sorte d'histoire quand même. C'est ultra basique, hein. C'est juste. On joue Musashi qui. T'es pas content parce que t'as le méchant là, je sais plus comment il s'appelle, Zid. Zemmour. Il y en a un qui du coup bah pour se venger de ce qu'a fait Zo Musashi, du coup il bute son maître et du coup il enlève sa copine. Voilà, c'était ça. C'était ça des fois à l'époque on disait voilà on a esquissé un scénario. Ouais j'ai chopé un truc, trop bien. Vrai que j'utilise dans les autres armes. Bah je vais mettre les autres armes pour montrer. Il y a peut-être des gens qui connaissent, hein, pardon. Ouais, et là je suis invincible. Hein. Pendant 3-4 coups, là je suis invincible. Mais là ça me sert comme je. Il y a même des chiens. C'est peut-être un Tintin. La pop culture et tout. Ah là là. Alors ça c'est bon. Ah, il y en a plein, je me rappelle plus. Il y en avait autant de caisses comme ça là, cachées. Je me souvenais celui de la disque. Enfin du niveau avant de la discothèque là, mais. Ah, j'avais pas ce niveau-là, le niveau du niveau de l'avion, il me saoulait quand j'étais petit. En fait, il y a les portes qui peuvent s'ouvrir. Hein, c'était un piège. Moi, je crois que c'est un peu bizarre comme piège. Ah merde, c'est une porte fermée. Et on reconnaît bien Yuzo Kushiro quand même, voilà, au niveau musical. Mais moi-même, c'est. Ouais, il me semble Les musiques de ce jeu étaient ressorties il y a quelques années en vinyle, je crois, si je dis pas de conneries. Genre vers 2016-2017, je sais plus. J'aimais bien. Ouais, c'était chiant, c'était ça. C'est que t'avais les mecs qui balançaient des grenades et parfois, comme quand on se bouffe une grenade, bah, ou même quand on reçoit un coup, le personnage fait un petit bond arrière. Et parfois, on pouvait tomber du coup dans. Voilà, comme ça, oula, comme j'ai failli faire, c'était super chiant et moi des fois je mourrais plein de fois, ça me faisait chier. Du coup je sais que je perdais beaucoup de vie ici, voilà, ou comme ça, voilà. Comme, exactement comme je viens de le montrer. Là. Je viens de l'illustrer. J'étais deg. Bon, je suis content par contre que le son est. Enfin, que du moins qu'il n'y ait pas de lag, j'avais peur. Et puis il y a les bombes là. Enfin, vraiment le truc, saloperie. C'est à l'époque où les concepteurs étaient sadiques, développeurs de jeux. Ils le sont pas, ils le sont encore un peu, mais aujourd'hui on va dire qu'il y a plus, on va dire le côté merde, rendre les jeux quand même un peu accessibles. Enfin, même dans les jeux difficiles, on va dire, il y a moins de gros pièges supravicieux tout le long. Que t'as l'impression que ça enchaînait les. Un cœur, ben, ça me sert pas à grand chose le cœur, mais bon, je vais peut-être pas prendre le risque. Et ouais, alors là c'est le boss là déjà, non, c'est le boss parce qu'il y avait toujours deux zones et un boss. Oui, oh, oui je me rappelle de ce boss.
Bah, je vais faire ça. Tiens. Voilà, là c'est les colonnes de feu qui permettent un peu d'endommager tout ce qu'il y a sur l'écran. Comment ça va les gens? Vous parlez plus? J'aime bien quand vous parlez, vous dites des trucs. C'est toujours intéressant ce que vous dites. Ouais, du coup, c'est possible, il était super facile en fait. Avec un cerveau. Je sais pas pourquoi. Je posais pas la question avant. Je disais, ouais, c'est bon, genre on accepte. Et oui, okay, il y a un cerveau dans un. Ouais, il contrôle probablement les petites lumières. Acceptait totalement. Ah, j'ai plus beaucoup de vie en fait. Enfin, c'est même pas très dur en plus. Le mec des boss, ça a été ouf. J'ai l'impression que je suis là. Oh non, voilà, je suis mort. Coucou Gaga, ça va? Parce que ça va, j'ai affiché un. Non, je vais regarder. Ça va au niveau du. Il n'y a pas de décalage. On est juste subjugué par ton. Oh, c'est gentil. Ouais, bah, et puis ça fait vraiment. Ça... Là, pour le coup, ça fait vraiment. Autant, ça m'arrive de rejouer à plein de jeux. Et ce jeu-là, je l'aime beaucoup, mais je pense pas forcément y rejouer. Que parfois, j'ai des petites sessions où je joue à des jeux rétro. Tu vois, genre, tous les 2 ans. Des fois, je me dis, ah, j'ai envie de faire le jeu. Et celui-là, je pense pas forcément le refaire, alors que c'est bien. Oh, après, je l'aimais bien le niveau après. Je crois que c'est le niveau. Je disais que c'était le niveau à Détroit. Mais c'était avec genre, la casse de voiture là. J'ai jamais su si c'est à Détroit. Bah, si, parce qu'il y a les noms au début. Il y a les noms des niveaux. Du coup, pour moi, Détroit c'était une ville dégueulasse parce que je pensais à ce jeu là. Parce que c'est le niveau suivant c'est Détroit. Et dans Robocop c'était Détroit la ville. Du coup, pour moi, Détroit c'était une ville dégueulasse. Enfin, dans mon imaginaire. Ah, je vais sûrement mourir encore, mais fais chier celui-là. Parce que l'épisode suivant, je le connais moins. Le Shinobi 3, là. J'ai joué dans les compiles, là, qui sont sortis, là, dans les Mega Drive Collection et tout, mais. Ce qui n'est pas très loin de la réalité, il me semble. Ouais, ouais, Gaga, ouais, il me semble que, bah, je crois qu'il y a quelques années, bah, même justement, dans les années 80-90, je sais plus, il y avait, c'est une ville qui était. Elle était pas au bord de la banqueroute ou un truc comme ça. Ouais, voilà, dans les années 80-90, ouais, ouais, il y avait vraiment un gros problème. C'est une ville qui était au bord de la ruine, quoi. Enfin, je sais plus ce qui s'est passé. Mais ouais, et pour moi, Détroit, c'était les villes dégueulasses, ouais. C'était Robocop où il y a plein de criminalité. C'était... Et puis, comme dans Revenge of Shinobi, bah, c'est un niveau dégueulasse avec une casse. Donc, pour moi, j'avais cette image de casse. Ouais, c'est ce niveau-là. Bah, ils mettent pas Détroit pourtant. Pourtant, je disais que c'était Détroit. Bah, si, ils mettent les noms des niveaux. Non, pourquoi ils font ça? Et l'autoroute. Et les militaires encore. Il y a des bombes, mais il y en a 2. Bah, c'est abusé quand même. Ah, j'ai faim déjà. Ouais, j'ai tout le temps faim. Je sais que j'ai des fraises tagada devant moi, mais j'ai peur que ça fasse plein de bruit dégueulasse ou comme le micro. Genre, ok. Comme je disais au début, comme les gens qui mangent leur popcorn ou leur. T'as dit, moi, quand je mange genre, au cinéma, je termine toujours tous les bonbons à la fin des bandes annonces. En fait, en général, je termine toujours pendant le générique du début du film. Ah, par contre, ce niveau-là, il est curieusement plus facile que. Tu vois, il est plus facile que niveau 3. Hein. Bah là, il n'y a pas les niveaux de plans, là, enfin les différents plans. Le truc où les développeurs étaient super fiers. Bah en fait, ce délire de profondeur, enfin, de jouer sur la profondeur, il n'y a que dans le niveau 3 et le niveau suivant, je crois, je sais plus lequel, quand on est sur une autoroute, qui était bien, il était dur, mais qui était bien. On pouvait se rouler dessus par les voitures. Oh là, il y avait une triche. Enfin pas une triche mais hop on pourra mettre le super coup et on pouvait terminer le niveau super vite avec ce pouvoir là où on saute super haut. Je sais plus ce que je faisais mais j'aimais bien ce niveau, enfin c'était la musique qui était cool.
Voilà, pour moi, c'était tout ça, Détroit. Ah, tu veux aller promener à Détroit? Non, pas trop. Alors là, il vaut mieux pas casser le truc. Voilà. Moi, je passais comme ça. En fait, tu pouvais aller super vite, en fait. Mais là, normalement, là, on était obligé de faire tout le tour à droite, puis remonter tout à gauche. Là, tu pouvais faire le niveau de manière très verticale. Et du coup, corriger une grosse portion du niveau avec ce pouvoir. Ouais, c'était fait pour, hein. Je pense qu'ils y ont pensé justement. Ils sont amusés à recommencer le jeu avec les pouvoirs et tout. Merde. Ouais, trop bien. Et après, il y a le boss. Et le boss qui ressemblait. Alors, moi, là, j'ai lancé. Je crois que c'est la version 1 du jeu, je crois, où il y avait encore un mec qui ressemblait à. Ouais, parce que du coup, ils ont. Sur les différentes versions de Revenant of Shinobi, ils ont dû rechanger les ennemis qui ressemblaient trop à des emblèmes de. Enfin, des icônes de la pop culture. Du coup, bon, allez, c'était carrément Terminator, hein. Enfin, qui se transforme en bestiole verte qui ressemble à Hulk. Voilà, je vais faire ça. Et moi, en fait, moi j'ai appris ça assez tard, hein, genre vers 2005-2006, qu'ils avaient fait plusieurs versions, parce que j'avais rejoué. Parce que pour moi, le boss numéro 7, là, du monde 7, c'était un Godzilla, quoi. Enfin, c'était un gros dinosaure, crache du feu, là. Et dans une des versions, dans une des compiles là, qui sont sorties sur Mega Drive, là où il y avait 3-4 jeux, là, je sais plus, il y avait South of Rage, Golden Axe, c'est celui-là. Puis même plus tard, hein, dans des compiles, c'était plus un gros dinosaure en chair et en os, c'était juste un squelette de dinosaure. C'était pour plus qu'il ressemble trop à Godzilla. Tout ça. Et ouais, puis d'ailleurs, il y avait Batman et Spider-Man. Bah, après, c'est pareil, ça a changé, nous, vraiment, dans les versions que j'ai connues. Le Spider-Man, il laisse sa place, une fois qu'on le bute, il laisse sa place à une créature qui était une sorte de chauve-souris. Merde. Et après, c'était autre chose, du coup. Ah, mais non, mais oui, mais non. Ça commence comme ça, puis il me balance des bagnoles, quoi. En plus, il est hyper simple ce boss, mais là, je fais n'importe quoi, là. Oui, je me rappelle ce que je faisais ça. Bête, regarde, je faisais ça. Tiens, 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 tiens. Coup de cutter. Non, non, coup de cutter. Et en fait, il est simple ce boss, qu'en fait, il suffit de faire ça. Tiens, 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 tiens. Et voilà. C'est Terminator avec une moustache quand même, hein. Moi je dis, hein, je dis ça, hein. Quand même. Et du coup, c'est un peu rigolo parce que c'est un jeu profondément japonais. Enfin, c'est des développeurs japonais, hein, c'est les mecs qui ont fait Street of Rage. Ça dit Street of Rage, c'est un peu le cas, c'est très très occidentalisé dans son. Déjà. Mais là, non, là c'est très shinobi. S'ils ont voulu faire un truc avec les ninjas, c'est tout simplement parce que. Merde. Parce que bah à l'époque là, en fin 80, les ninjas avaient grave la cote en Amérique du Nord. Ah oui, alors là, voilà, je refais ce pouvoir-là avec le saut. Parce qu'il y avait les American Ninja, la série de films là, American Ninja, qui cartonnait quand même aux États-Unis. Du coup, ils sont dit, bon, on va faire un jeu avec les ninjas. Mais quand même avec une dimension très pop. Alors là, ce niveau-là, avec ce pouvoir-là, il est trop facile. Pour ce niveau-là, il est très vertical dans sa construction. Mais putain, je vais mourir. Alors que celui-là, j'arrive à le faire. Pas de la vie, non? En plus, l'item des doubles shurikens qu'on voit, moi j'ai toujours l'impression que c'est une paire de ciseaux là. Mais parfois, quand on casse des caisses, il y a une espèce d'item où c'est juste deux shurikens qui sont croisés, quoi. Moi j'avais toujours l'impression que c'était. Une paire de ciseaux, je comprenais pas. Donc, quand on était petit, on visualisait mal les. Vous me dites, hein, si jamais je parle trop. Hein. Je vous fais chier. Alors. Ça, il y a toujours été. Ouais, voilà, alors là, c'est une shuriken chaîne. Une shuriken simple. Qui donne un certain nombre de shuriken. Et il y avait les doubles. Ah, là, celle-là. J'ai l'impression que c'est une paire de ciseaux. Bah, je pense pas d'une paire de ciseaux. Ça fait pas très très ninja tout ça. La 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 la. Oh, quelqu'un s'est abonné. Merci pour l'abonnement. Là, je peux pas voir qui c'est qui s'est abonné parce que j'ai l'écran. Oh, coucou Lianas. Ça va? Ça tombe bien, j'arrive à la fin de ce niveau-là. Le follow. Ah, c'est toi. Coucou. Ça va? J'arrive assez loin quand même là dans mon petit jeu. Voilà. Ah, c'était ce niveau-là qui était compliqué avec les. C'est un autre l'autre niveau avec. Où les développeurs sont amusés avec les différents plans.
Et celui-là, il est encore plus dangereux parce que il y a les voitures. Les voitures rouges, en fait, elles peuvent t'écraser. Ah, je suis content. Ça va bien. T'as vu? Je suis en stream, je suis de l'autre côté du miroir. C'est bizarre. C'était bizarre au début. Hein. Ouais, c'était un niveau très. Ce niveau-là, en fait, il était très. Très rythmé. Alors, fallait faire gaffe, parce qu'à un moment, il fallait aller loin. Enfin, il fallait. Merde. Ce niveau-là était très dangereux parce qu'il y a un moment où, sur le premier plan, en fait, il y avait un gros trou. Du coup, c'était dangereux parce qu'il fallait aller dans l'arrière-plan et marcher longtemps. Il fallait attendre, du coup, qu'il y ait une voiture rouge qui passe pour pas se la bouffer. Bah, je crois que c'est par là. Je cherche, il fallait tir préventif. Tu vois, il fallait toujours faire gaffe. Et puis, des fois, tu pouvais te foirer et mal faire bah, le double saut. Des fois, tu fais merde, j'ai pas fait le double saut. C'était cool quand même. Un ninja à New York. Oh merde! Et après il y a le niveau trop bien, enfin le Chinatown là, qui était incroyable. Bon alors il y a une vie, genre qui va choper cette vie là? Qui va choper cette vie en bas? Voilà, et là c'est le niveau trop bien avec la musique trop bien. La musique que ah non, c'est après le boss, forcément. Et ouais, oh, j'aimais pas trop le boss, c'était des chiens. La herbe. Je vais sûrement mourir, peut-être m'avoir un truc. Ouais, c'est chiant parce qu'il faut le timing pour le taper, c'est chiant, parce que l'espèce de petite boule électrique là. C'était un peu chiant. Moi, souvent dans ce truc là, je prenais le pouvoir. C'est chiant. Alors là, je peux faire qu'un seul petit coup, mais c'est chiant. En fait, il faut faire un saut, ouais. En plus, là, ça. Ah, puis la manette, elle réagit pas très bien. C'est enfin, toujours la faute de la manette, c'est la manette, hein, ouais. Forcément, forcément Mogi c'est la manette. Non en plus bah, un petit pas. Pas vraiment mais c'est juste que. Là je dois te la mettre PS4 en fait. Des fois, et je sais pas pourquoi il y a des fois quand j'appuie sur X, de temps en temps ça réagit pas très très bien. Je sais pas quoi. Non, non pas sur X, sur en fait. Bah celui-là pourtant ça marche bien. Ouais, je sais pas bon, pas grave. Là, mais tout à l'heure je crois que ça marche pas. Enfin, c'est la faute du c'est forcément la faute de Twitch hein, ou de la manette. Ça peut pas être moi, tu vois. Faut pas prendre des responsabilités. Et ouais. Bon, là, je vais sûrement mourir parce qu'après, il y a celui de droite qui est chiant. En fait, il était long ce boss à buter. En fait, il y a trois trucs à. Et c'est très le timing, quoi. Il y en a un autre. Alors, celui-là est plus chiant. Ça, il faut vraiment se rappeler. Mais. Voilà, je vais éviter de parler à ce niveau-là parce que c'est dur. Ah! Non, j'étais trop gourmand là. Je voulais taper deux fois. C'est pas grave, ça me permettra de. Bah attends, bah, j'ai une super idée. Attends, je vais faire ça en fait. Voilà. Comme ça, ils pourront me taper dessus trois fois et c'est pas grave. Je regarde ce pouvoir pour à droite, mais. Ah, j'allais dire, tiens, s'il n'y a pas de truc électrique, mais en fait, ils arrivent après. Bon, je suis content parce que là, ça s'est arrêté de laguer comme dans mon premier live, là. Très content de ça, parce que j'étais un peu inquiet pour ça, mais merde, ça se fout, moi, je peux jamais refaire, il y aura toujours un décalage, un éternel décalage où ce serait condamné. Ah, puis là, j'ai dû refaire en Wi-Fi, je me suis dit que c'était peut-être à cause du Wi-Fi. Ouais, et sur mon PC, ben, y a pas de câble Ethernet, enfin de port Ethernet, je me dis ben, c'est complètement con. Et ouais, visiblement sur plein de nouveaux PC portables, il n'y a pas de port Ethernet. Ouais, trop bien. Ah, c'est cassé. C'est cassé, voilà. Ça fait kaboum kaboum. C'était kaboum qui était très très kaboum à l'époque. Voilà, et là c'est le niveau à Chinatown qui était très très cool. Et la musique était très très ouf. D'ailleurs le réalisateur là au bas il était très c'est une musique qui lui donnait des frissons enfin, la première fois qu'il a fait il a entendu la musique de Chinatown et tout du coup il a été complimenté Yuzo Koshiro pas facile de parler en même temps de jouer hein. Du coup c'est mon niveau préféré par contre c'est marrant parce que c'est mon niveau préféré mais la deuxième zone par contre c'est pas un de mes niveaux préférés c'est le niveau sur le train là c'était un peu chiant. Mais globalement, en plus, niveau-là, il n'est pas très très dur enfin, par rapport à d'autres là.
jouerait pas mal sur le côté. C'est un niveau là qui joue surtout, enfin qui joue le level design qui se construit autant sur la verticale que sur l'horizontale. Pas comme d'autres niveaux qui sont constamment sur l'horizontale surtout. Allez, allez, tiens, prends ça! C'est dangereux, Shiny Item, quand même. Allez! Alors, ouais, c'était pas évident. Ça fait très très urbain tout ça. Je trouve que c'est un jeu tellement. Ça fait tellement Sega comme jeu aussi. Côté urbain, pop culture, machin. Enfin. Ah merde, bah alors là, je vais sûrement faire mon pouvoir de saut. Ouais, puis quand on utilise un pouvoir, en général, après, on n'en a plus tant qu'on perd pas une vie ou tant qu'on trouve pas l'item qui redonne une super vie. Alors là, j'en ai. Oh, j'ai récupéré une vie, je crois, très bien. Et là j'ai les super pouvoirs, les super boules de feu, le shuriken enflammé, je sais pas quoi. Non, et quand tu fais toucher, bah c'est fini. Les a plus. T'as pas le droit à l'erreur. Hein. Allez madame, voilà. Ouais, du coup, ouais, je disais tout à l'heure, les phases suivantes, je ne connais pas trop. Enfin, si, j'ai joué un peu, mais du coup, bah, forcément, je suis moins attaché. Ouais. Oui, j'ai fini, c'est bon. Bah, ouais, c'est marrant, il me semblait plus long. Ça me semblait plus long. Là, je sais pas si j'aurai le temps de finir. Il est 11h34, faut que je fasse à bouffer. Ah merde! Ouais, c'est ce niveau-là que j'aime pas. De toute façon, moi, les niveaux comme ça, avec un train, où on est sur un train ou sur un métro, et on doit éviter plein de poteaux, c'est un truc qui m'a toujours fait chier. Je sais qu'il y a plein de gens qui détestent les niveaux aquatiques. Moi, j'aime bien. Enfin, j'aime plutôt bien les niveaux aquatiques. Malgré la pénibilité de certains. Mais par contre, les niveaux sur un train, ça me fait chier. Enfin, c'est vraiment le gimmick des jeux comme ça. Pour les niveaux avec des trains de mine, tu vois, genre dans Donkey Kong Country, là, les trains de la mine, tout ça, c'est des trucs qui me font chier, parce que c'est presque que du par cœur, en plus souvent. Et parfois, faut voir le piège, quand même. Enfin, souvent, je sais que dans les Donkey Kong, quand je vois des... Quand je vois... Ah, merde. Quand je vois des trucs, là, quand je vois, genre, qu'il va avoir un train de la mine ou une connerie comme ça, ouais, ça me saoule. Un truc que j'aime... Pas trop non plus dans les gimmicks de vieux jeux comme ça, jeux de plateforme ou... Enfin, ça dépend du jeu là pourquoi. Mais en général, j'ai souvent une appréhension, c'est les niveaux où la caméra est automatique, enfin, je dirais, bouge toute seule. Il y a des défilements automatiques, voilà. Un défilement latéral automatique qui fait que... la caméra bouge tout seule et en général, bah, on doit avancer selon le bon vouloir de la caméra. Là, parfois ça peut me faire chier aussi parfois bah, et parfois la caméra bouge parce qu'en fait il y a un truc qui est accroché à gauche de la caméra, c'est genre des pics ou des conneries. Ça souvent c'est un truc qui me fait un peu chier aussi. Il y a plein de bombes, ah je m'en souvenais ça. En général bah, tu te les bouffes c'est juste pour choper la vie, c'est genre de piège de piège super relou, ça où tu dis je récupère une vie et tu te bouffes plein de bombes, tu te retires ta vie. Ah, et c'est là les boss Spider-Man. Vous avez dit, du coup, à cette époque-là, ils pouvaient à la rigueur laisser Spider-Man, qui ressemble carrément à Spider-Man. Hein. Regardez, c'est vraiment Spider-Man. Parce que, du coup, ils développaient leur Spider-Man sur Mega Drive. Ils avaient, du coup, Sega avait la licence. Mais, du coup, par contre, les Batman et les autres, pas trop. Ah, j'aurais dû faire le pouvoir. Hein. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Je peux faire ça, Mogi, c'est pas grave. Eh, j'ai encore un pouvoir, donc. Ouais, puis bon, bah, comme c'est Spider-Man, du coup, genre, on le tue pas. Enfin, je veux dire, à la fin, quand il se barre, là. Peu... À la base, c'était un monstre qui se transformait justement en Spider-Man et en autre truc qui ressemblait à Batman. Voilà, et il se barre, et voilà, et ce personnage-là, là, qui ressemble à Ossuré ailé, c'était. Gaga, coucou! Le mec qui ressemblait à le sourire, et bah c'était carrément Batman. Et ils ont dû retirer le sprite du coup. Parce que c'était trop.
Bah comme disait Gaga, en fait, il y avait Spider-Man parce que à la base, c'était pas prévu, c'était le merde. Le réalisateur, en fait, quand il a développé le jeu, là, Oba, bah, il avait demandé au concepteur des personnages, du coup, de faire des personnages comme ça. Ils avaient, du coup, il avait demandé, ah, j'aimerais que tu fasses des, genre, tel ou tel ennemi comme ça. Et c'était des... Quand lui avait fait le dessin, bah, il montrait, tu vois, en guise d'exemple, tu vois, il avait fait des trucs qui ressemblaient beaucoup à Spider-Man, beaucoup à tel ou tel personnage de la pop culture. Mais sauf qu'il pensait que son concepteur de personnages allait suffisamment les transformer pour que voilà quoi, c'est que ça ressemble pas du tout. Et en fait, le mec qui a fait les sprites, en fait, il a fait carrément comme ce qu'il avait, comme ce que le réalisateur avait demandé. Du coup, bah, le réalisateur, du coup, il était embêté, il s'est dit, bah merde, bah, oui, c'est carrément Batman, c'est carrément Spider-Man. Et Spider-Man, ils avaient le droit de, ouais, voilà, Gaga, ça a plu aux gamins. Ouais, puis du coup, mais Spider-Man, par contre, ils l'ont pas retiré finalement au final parce que. Ils avaient les droits. Spider-Man, ils avaient les droits parce qu'ils faisaient. Ils avaient droit à Sega avait la licence Spider-Man dans les années 90. Ah ouais. Ah zut. Ah derrière, il y a des caisses où il y a marqué Zid. Zid, c'est le méchant. C'est Zemmour. Non, Gaijin. Oui. Interdit, oui, ça. Interdiction, Gaijin. Là, je galère alors que ce boss-là, il est facile normalement. Là, je me sens nul. Je me sens comme un petit vieux qui a tout perdu. Ça réflexe d'antan. Après, c'est un peu comme faire un vélo. Enfin, c'est un peu comme faire du vélo, comme. T'oublies jamais complètement, faire. Tu n'oublies pas le vélo. Enfin, tu peux oublier le vélo, mais le vélo ne t'oubliera pas. Oh, avec une vie, mais qu'est-ce que je vais faire avec une vie, sans déconner? Eh bah oui, petite chauve-souris. Voilà, super ninja. Il se fait agresser par une chauve-souris. Oh, game over. Ah, par contre, on recommence tout ou pas? Non. Non. Nul. Après, en plus, il y a le niveau. Après, le niveau d'après, c'est l'avant-dernier niveau. Je sais pas si j'aurai le temps de terminer. J'espère. Bah non, je pense pas, mais. Pire, je reprendrai cet après-midi. Après-midi, je ferai genre. Je termine. Suis du live. Bah, je joue encore un peu. Je joue encore. Bonne grosse dizaine de minutes, quoi. Peut-être que cette musique-là, souvent je l'avais, enfin pendant longtemps je l'avais dans mon baladeur MP3, dans mon gros radio cassette MP3. L'énorme truc Sony gris que je transportais dehors. Je mettais des MP3 dedans. Enfin, ça paraissait incroyable, je disais, oh! C'est vraiment vers les débuts. D'internet, on va dire, enfin pas les débuts, mais plutôt vers début 2000, tout ça, où on disait waouh, on peut choper des musiques de jeux et les foutre sur un baladeur, c'était incroyable. Moi je crois ça incroyable. C'est-à-dire, oh, on peut tout faire, on peut choper toutes les musiques qu'on veut. Et ouais, ça me paraissait ouf, du coup, et j'ai essayé de choper cette musique-là, une version un peu vite fait réarrangée, enfin HD plutôt de cette musique-là, j'étais content. Choper des musiques de Lemmings, des trucs de Sonic, ça me paraissait incroyable parce qu'avant les seuls moyens d'écouter de la musique, si on pouvait acheter des OST, je crois, dans certains cas très rares. Et voilà quoi. Oh, coucou Ringabel! Comment ça va? T'as vu, je suis en train de jouer à Shinobi. Je suis loin. Merde! Et du coup, ça me paraissait incroyable de pouvoir foutre ses propres musiques de jeux vidéo. C'est avant le seul moyen, moi que j'avais en tout cas, pour foutre mes propres musiques de jeux vidéo, c'était. Merde. Alors. Seulement que j'avais du coup des musiques, bah, c'était de foutre un magnétophone, prendre un magnétophone et de coller les musiques sur le poste de jeu. Enfin, mettre le sound test quand il y en avait. Du coup, à chaque fois qu'un jeu vidéo avec un sound test, j'étais heureux. Je me suis dit, ah, comme ça, je pourrais réécouter les musiques à part et je pourrais. Comment? Bah ouais, ça va, Ringabel. Ça fait très très longtemps, Ben. Ça fait au moins 1000 ans. 1000! Putain, je galère là! Ah, puis je peux pas faire le pouvoir, bah oui, je sais pourquoi je peux pas faire le pouvoir, parce que j'ai déjà un pouvoir enclenché, c'est con. Alors, ce niveau-là, alors, je sais que ce saut-là, il est hyper dur. Pareil, ça, les développeurs, on leur avait dit, enfin, il y avait des gens qui leur avaient dit que c'était super dur à négocier, et ils disaient que c'était une sorte d'entraînement. Au saut super chaud
Mais du niveau desquels, hein, le niveau 7? Oh, le monde 7 plutôt. Ah putain, je galère! Putain, ça se trouve, je vais rester là et tout, je fais une sauvegarde. Non, mon dieu! Et je me rappelais plus que c'était aussi chaud. Tu m'étonnes que je mettais le pouvoir. En fait, là, il faut faire le saut. Bah ouais, ça fait au moins 1000 ans. Oh, mais non, c'est pas possible. T'es un ninja ou t'es pas un ninja? J'arrive pas. Mon dieu! En fait, j'ai marqué 990. Du coup, ça me fait rire, parce que comme j'ai mis les shurikens infinis. Du coup, il y a 990. Du coup, sur lui, là, il a 999 shurikens, tu vois. Plein les poches. Quand tu coursais, ça fait comme s'il avait plein de clés. Allez, allez, on se concentre. On se concentre. Bah non. Pas assez, visiblement. Ah, c'est horrible. Puis, j'ai tué tout le monde, là. Enfin, il n'y a pas un ennemi qui peut me tuer. Puis y a pas de vide, parce que ça, oui, parce que ça c'est un des niveaux où il n'y a pas de vide, il y a pas trop de, un peu comme le premier niveau, il y a pas de vide mortel, hein. Le shinobi qui fait cling cling, oui, du coup il est pas discret, il faut il bouge. Ah mais c'est chiant purée, je me rappelais plus, c'est aussi chiant, effectivement ouais. Et ouais, et du coup bah c'est con parce que non, c'est le niveau où j'ai toujours le pouvoir. Et du coup, quand on était gosse, on devait pleurer, quoi. Enfin, on devait dire... Ah, c'est bon, j'ai réussi, super. Allez, quand on y croit, on peut tout faire. On peut toujours tout faire. C'est ça qui est incroyable. Bon, les 44, moi, j'ai bientôt partir. Hein. Je mettrai en pause et je terminerai cet après-midi. Et c'est cool. Bon, ça m'a permis de faire enfin un live plus propre, quand même. Ça fait plaisir. En fait, parce que ça me donne envie de jouer à Sleeping Dogs. Ça fait quelques mois, je l'ai jamais fait. J'ai très envie de le faire depuis quelques mois. Je l'ai en plus. Hein. Je l'ai jamais fait. Ça fait partie de ces jeux que tu as depuis des années dans ta collection. Et ouais, j'aimerais bien faire Sleeping Dogs. Oh, qui c'est qui s'est abonné? Merci pour l'abonnement. Ah, c'est le niveau que j'aime pas. Bon, cette fois je vais conserver mes items. Ça fait grave plaisir de te voir sur Twitch. Bah de rien. Bon, si ça me fait plaisir de te voir sur Twitch. Comment ça va? Bah ouais, ça faisait un petit temps que je me suis dit, tiens, ça peut être marrant. Mais en même temps, je me disais, bon. Est-ce que j'aurai le temps? Est-ce que j'aurai l'envie? Et puis en fait, ouais, c'est cool. Ça permet de. Ouais, de faire un truc un peu direct, tu vois. Oh putain, c'était galère au début. Hein. Enfin, c'était galère comment? Ouais, de se faire genre les préparations, d'installer OBS, voir qu'il y a deux scènes, comment ça marche. Je te dis, bah, comme je disais au début, j'ai l'impression d'être un boomer et qui comprend rien, quoi. Qui tâte. Non, sauf que au moins, moi, je cherchais. Tu vois, là, je déteste ce niveau. C'est un niveau que j'aime le moins. Ça. Et dans mon top 3, il y a des. Le pire niveau du jeu, ça. Au début, j'avais mal lu. Galouze. Oh, coucou! Je passe juste car maman, pas mes heures de dispo cette semaine. Bah, de rien, Guébo. Comment ça va? T'as vu, je suis en train de jouer à un jeu cool. Avec un ninja. Mais merde, j'arrête pas de mourir. Moi, c'est parce que je parle, c'est parce que je vous parle, en fait. C'est un peu de votre faute, en fait. Jamais qui s'est jamais assumé, tu vois. Toujours la faute de la manette, du lag, des autres, parce que je leur parle. T'as dit, ça m'est déjà arrivé. Première fois sur le chat. Ah merde. Ah, puis je vais devoir faire à bouffer après. Je sais pas si j'aurai le temps de finir. À mon avis, j'aurai pas du tout le temps de finir parce que je m'en vais dans 5 minutes. Bah, je vais peut-être m'arrêter là, je vais peut-être faire une pause. Oh, bah, puis voilà, puis il est mort. Pitoyablement sur le truc. Ce pseudo. Ah ouais, parce que du coup, maintenant. Bah ouais, moi, je t'appelle Gebo, hein, mais je devrais peut-être pas. Enfin, j'ai. Mais ouais, bah ouais, j'ai. C'est d'habitude, tu vois, maintenant. Bon, je vais sauvegarder, parce que je suis quelqu'un qui sauvegarde consciencieusement. Et je vais rebasculer sur l'autre. Eh, vous avez vu, vous avez vu, vous avez vu. Vous n'avez pas vu, hein. Non, non, je vous passe sur un émulateur, vous n'avez pas de. Vous n'avez pas de preuves. Non.
Et ouais, non, mais du coup, voilà, j'ai rebasculé sur l'autre écran. Et ouais, j'ai coupé ça. Bon, du coup, c'est cool. Bon, là, je vais rester quelques minutes hein, pour dire au revoir et tout. Mais franchement, c'est très cool. Voilà, c'était très. D'autant plus que c'était cool parce que c'était un jeu que je connaissais. Du coup, je suis un peu content dans cette configuration. Parce que le jour, c'était Toki, c'est un jeu que je connaissais pas. Enfin, que j'avais joué petit, mais finalement, j'avais pas joué tant que ça, quoi. Appelle-moi comme tu veux. Ah, bon courage. Bah, de rien. Puis, bah, bon appétit. Bah, toi aussi, si tu manges, bientôt, je pense. Forcément, tu es un être humain, donc j'imagine que tu vas manger. C'est bon. Du coup, bah, toi aussi, bon appétit. Et bon, la musique est pas trop fort, là, la musique du son. Je mets des petites musiques de fin pour faire genre, regardez, vous voyez, je suis pro alors que pas du tout. Et en tout cas, c'est très cool. Je continue à tester cet après-midi, hein, Revenge of Shinobi. J'ai un peu le temps aujourd'hui, en fait, du coup, parce que comme c'est le lundi, et le lundi, c'est un peu le seul moment, vraiment, un petit peu le vendredi. Bah, c'est pour ça aussi que j'avais hésité aussi à me lancer dans le stream, parce que malgré tout, je suis quand même super occupé. Entre les enfants, entre, ouais. De la maison, entre la musique que je fais, les textes que j'écris, etc., bah, ça me bouffe un temps monstrueux. Je me suis dit, putain, mais j'aurais pas le temps de faire des streams. Mais bon, voilà, si je fais des trucs un peu cool comme ça, de jeux que je connais un peu, ça peut être sympa. Mais la musique est pas trop forte derrière. Vous savez ce que c'est que ça comme musique? Celui qui trouve, franchement. Ces gens ils vont dire bah, c'est un RPG ça, pas du tout. Bah, je vous le dirai pas. sauf si vous posez la question. Mais voilà, non mais du coup, ouais. Non, mais j'étais très content de faire cela. Oh, bah Gaga, bah toi aussi, bon appétit. Bah, j'espère que c'était bien quand même, Gaga, pour un premier vrai live. Parce que l'autre d'avant c'était un. Pour... Non, non, Gaga, c'est pas un RPG, c'est Gran Turismo 6. Et oui. Et que tu roules en voiture et puis. Il y a ça comme musique. Régabel, bah bon appétit à toi aussi. Bah c'est bien, bah c'est cool, ouais. J'étais content. J'étais un peu stressé au début parce que. En fait, j'étais stressé plus, contrairement à l'autre fois où j'étais plus stressé du stream en lui-même. Là, j'étais plus stressé pour les problèmes techniques. En fait, je me dis merde, j'espère que c'est pas comme le jour. Et du coup, c'est cool. Bah c'est plaisir. J'étais content que tu sois là, Gaga. Enfin, que tu sois toujours là. Ah, j'ai mal au dos. Parce que j'étais assis un peu n'importe comment. Puis je voulais pas qu'il y ait le micro qui soit trop loin et tout. Et je suis content moi aussi. Bah, peut-être que je continuerai cet après-midi. Puis si j'ai le temps, je ferai peut-être un autre petit jeu. Je verrai. Ouais, mais je sais pas. En même temps, ça... bon, non, si je peux faire deux jeux. Je sais qu'il y a des gens qui font ça des fois. Genre, ils terminent un jeu et puis ils disent, allez, maintenant, on va lancer machin. Et du coup, voilà, bah, c'est cool. Bah, du coup, ouais, je fais ça. Là, je vais aller faire à manger. Parce que j'ai faim. Puis c'est un peu long à faire. J'en reviendrai peut-être tout à l'heure. Je vous fais des bisous et je vous dis bon appétit et vous faites ce que vous voulez et puis je vous dis peut-être à tout à l'heure, au revoir.